cette fois-ci, on ne les rate pas. On y va. Repliez-vous. Ils arrivent. Tous à la mine, on y va. Manuel, viens. Très bien, repliez-vous. Avec moi! Demain, on fera la une des journaux. Non, pas toi, Betty. Toi, tu montes la garde, hein, d'accord? Bien. Allons-y. On va enfin savoir qui se cache derrière ce masque. Ah, c'est facile, c'est gros, c'est vicieux, et si en plus ça sait pas cuisiner, alors c'est la femme de John. Mais comment tu sais qu'elle sait pas cuisiner? Eh, si quelqu'un trouve, il allume, hein. Mais avec plaisir. Parasite s'est transformé en géant. Erreur, Ranger, c'est toi qui as rétréci. Et tu n'as rien vu. Rick, para mí? Non. Rick, para mí. Non, j'ai dit. Para mí, Rick. C'est fini maintenant, ce sont pas des jouets. Para mí. Goutsi, goutsi, goutsi. Pas de touche. Oh, shit, 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 shit. Surtout ne vous inquiétez pas, mes petits. Bientôt, vous aurez la même taille que tout le monde. Et vous savez pourquoi? Parce que j'aurai changé les autres en Lipucien. Bob le Kid, Bob le Ricky Kid, ouais. Et fais attention,
pas comme ça. Hé, pas touche. Laisse-moi jouer. Regarde ce que tu as fait. Qui, moi? C'est toi qui sais pas jouer. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Tu crois que c'est moi qui suis en faute? Non. Tu crois que c'est Ricky Kid qui a raté son coup? Oui. Et voilà. Les femmes. Allez, donne, à mon quoi? Tour. Pas question, je recommence. Allez! Fallait plutôt m'aider tous les deux au lieu de rester vissés à cette télé. Bob Harry, moi j'ai encore droit à une partie. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est encore à moi de jouer. Tobias va bien? Qu'il est gentil, le petit Tobias. Et... hop, Nanos. Nanos. Ok, ok. Nanos. C'est ça, gentil chien-chien. Hein? Je vais ouvrir. Non! Non, non, c'est à mon tour. Non, non, ça va. C'était mon bonjour, tour. Bonjour, Bob et Bobette. Le loquet. Tiens, flic boomerang. Flic boomerang. Monsieur Lambic. Théophile Boomerang. Théophile Boomerang. En personne, Théophile Boomerang, autodiplômé, représentant en produit bon marché et à très bas prix, mais respectant de Sidonie. Ça tombe bien, je passais par hasard dans le coin et j'ai justement cette superbe promotion. Moins cher, c'est pas légal. Il aspire d'enfer. Et attention, tiens-toi bien, si tu en prends trois, tu en reçois deux gratis. Ah ah. C'est pas vrai. Merci et à la prochaine. Au revoir, Tobias. Oui, oui, je sais, je sais. Manuel, hein? Tu vois rien de bizarre? Non. Là. À qui? Non. Il y a une bouteille qui manque. Ah, si, una bouteille. Oui, c'est ça, avec Ranger Tom. Si, 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 Ranger Tom. Oui, il a disparu. Ah, Ploula. Rends-le-moi. Qu'est? Je te dis de me rendre cette bouteille! Manuel, nos bouteilles. Hein? C'est pas toi qui as cette bouteille? Non. Mais alors, il s'est échappé? Si. Oh! Oh, oh shit, 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 shit! Oh, shit, shit, shit. Si le boss voit ça... Oh, shit, shit, shit. Pas de panique. Si je déplace celui-là... Non, 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 non. Comme ça, voilà. Non, non, maintenant, il en manque un, là. Il y a un problème? Alors? Non, je... Enfin, je voulais... Je voulais juste... Manuel? Ranger Tom Ploula. Quoi? Bande idiot! Vous avez intérêt à le retrouver. Et maintenant... Ici, toi! Non, pas l'ami. Oh, shit, 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 shit. Toi, tu sais sans doute où est ton patron, non? Hein? Et hop, c'est parti! Va-t'en, je ne suis pas là! Hein? Oh! Là? Là? Monsieur Lambic,
J'en ai profité pour ramener votre cheminée. Au noir, évidemment. Humour. Oh oh. Phil Boomerang. Jérôme a dit quoi, un fil? Hein? Oui, mais Jérôme... Il a dit un fil. Non, attends, Jérôme, venir. Jérôme, non, fais pas ça, Jérôme, non, 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 ah, ah, ah. Et voilà. Bic, bic. Oui, mais Jérôme, enfin... Il a encore réussi à refiler un aspirateur à tante Sidonie. Et toi? Moi? Moi? Laisse-moi rire. Ce colporteur me vendre sa camelote, ouais, et pourquoi pas ramener la cheminée aussi. Où est Théophile? À la pêche aux crevettes. Ah. Allez, à vous, Lambic. Qu'est-ce qu'il a encore réussi à te vendre? Rien. Rien du tout. Ah ouais. Ah oui. Et cette caisse, alors? Eh ben, c'est une caisse. Une caisse avec rien. C'est mon droit. Après tout, faut-il toujours que les caisses soient pleines? Ben, moi, je dis non. Je dis non à la tyrannie de la société de consommation et non à la... De l'alcool. C'est du whisky. Allez, fais voir. Ne touche pas. C'est pas du whisky, c'est... Allez, je veux voir. C'est du sirop. J'ai bien un peu froid ces jours-ci. Mais lâche ça. Oh, oh ben, c'est malin. T'as vu ce que t'as fait? Eh. Hein? Waouh. C'est quoi, ça? Alors, vous avez retrouvé la caisse avec le Ranger? La caisse est partie il y a quelques jours avec le Sea Hawk pour la Belgique. Ah, Belgica, Los Diablos Rojos, Justinena, reine del tennis, Eddie Mercer, rey de la bicicleta. Il est sûrement mort, patron. Ah, muerto? Eddie Mercer? Non, 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 Eddie, non, non. Si quelqu'un découvre le Ranger, tout mon plan est à l'eau. Il me faut cette caisse. Trouvez ma bille. Des vêtements de cow-boy? Ben oui, c'est un Texas Ranger, comme dans le jeu de Bob. Je n'ai encore jamais vu une chose pareille. Ah bon? Aussi minuscule. Oui. Et pourtant complet. Alors, professeur? Professeur? Oui. Eh bien, nous avons ici un spécimen humain de sexe masculin et parfaitement formé. De bras, de jambes. Il semble bien que quelque chose l'a, disons, miniaturisé. Oh, je crois bien qu'il va y avoir de l'orage. C'est l'estomac de Jérôme. Jérôme a avoir faim. Eh bien, va dans la cuisine, Jérôme. Prends tout ce que tu veux dans le frigo. Dites-moi, que diriez-vous d'un petit rafraîchissement, professeur? Oui, bien sûr, bonne idée, bien vu, mon cher Lambic. Notre Ranger s'est totalement déshydraté. Il a besoin d'eau de toute urgence. De l'eau? Pourquoi de l'eau? Ah oui, ah bon, d'accord. Je m'en occupe tout de suite. Ben voilà, et on resterait tout ça maintenant. Ce Jérôme commence sérieusement à m'énerver. On va voir qui est le plus fort de nous deux. Et là-bas! Mais qu'est-ce qui se passe? Boomerang! Bill? Où est la caisse de whisky que tu nous as achetée hier? Qu'est-ce que t'en as fait? Je vous suggère de le garder chez moi pour cette nuit en observation. Une transfusion ou deux, et il sera à nouveau sur pied. Parfait, professeur, nous allons revenir demain. Allons-y, les enfants, il se fait tard. Allez. Où est passé Jérôme? On dirait que l'orage n'est pas encore calmé. Thank you.
Lambic, t'as encore laissé la porte de la maison ouverte. La porte, impossible, hein? Waouh! Stop! Il y a infraction! Attention et que personne ne bouge. Merci. Je prends la direction de l'enquête. Une trace de pas. Et Bob, regarde. Ce qui veut dire que l'intrus a au moins une jambe. Et je peux dire qu'il a été à l'école. Oh, mais c'est extraordinaire. Comment as-tu deviné? Il y a une lettre sur le mur. Désolé pour le dérangement. Je n'ai pas trouvé la caisse de whisky, mais si tu veux un jour pouvoir profiter de ta retraite, apporte la caisse au café de l'encre. Et viens seul. Donc pas à deux ou à plusieurs, mais tout seul. Donc pas genre à 100 ou à 200 ou à 300 ou même encore plus. Les maths, c'est pas son truc. Drôle d'école. Le café de l'encre, mais c'est un drôle de bar tout près du port. Je connais l'endroit, je vais jeter un œil. Tu connais? Disons que j'en ai entendu parler. Voilà. Tu serais pas Lambic? T'es bienvenu seul. Un whisky, je suppose? À moins que tu sois venu avec tes propres bouteilles. Dis donc, t'as bien apporté les bouteilles? Les bouteilles? Mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Pour les vidanges? Dis donc, camarade, ils veulent récupérer les bouteilles au Texas, et toi, tu vas me les rendre, capé? Et toi, tu vas me dire comment le ranger s'est trouvé dans cette bouteille? Un ranger? Qu'est-ce que j'en sais? Il a dû entrer par le goulot. Et qui l'arrête ici? Et comment? Et où? Et pourquoi faire? Dis, Julien Lepers, une dernière question. T'as les bouteilles? Oh, toi, t'as déjà bien assez bu. T'as plus besoin de bouteilles. Très bien. Bon, venez les gars, il a perdu la mémoire, on va l'aider à la retrouver. Parlez, espèce d'ordure. J'y suis pour rien. On travaille pour Bill Buster sur le Seahawk. Lui, il doit savoir. Eh ben voilà. Fallait le dire tout de suite. Allez, au gars de la marine. Boire, oui, mais avec modération. Excellent. Salut. Non, c'est Lambic. Gros malin, qu'est-ce que t'as fait? Moi? C'est toi qui as eu l'idée de venir ici et qui m'a demandé d'assommer le premier qui sortait du pub. Est-ce que j'ai demandé à Bob d'assommer Lambic? Non. Ah, ne commence pas, hein. Oh, ma tête. Faut que j'arrête de boire. Un seul whisky, je suis déjà complètement assommé. En fait, Lambic, le coup, c'était moi. Hein? Alors, qu'est-ce que t'as découvert? Oui, Bill Buster sur le Seahawk, c'est lui le cerveau. Le Seahawk, c'est le nom d'un navire. Viens, Bob. Je vous accompagne. Attendez, c'est avec ce truc-là que tu m'as assommé? Oui. Oh, bon, ben, il va falloir que je tombe dans les pommes. Oh non. Oh là là. Et maintenant? Taxi! Seahawk, on y est. Comment faire pour retrouver ce Bill Buster? Il suffit de demander. Pardon, vous savez où se trouve Bill Buster? Oui, cabine 7. Merci. Mais stupide bestiole, c'est pour ça que tu me réveilles? 6. 7, c'est lui. On frappe d'abord? Ou on entre sans demander? Tu veux rire?
C'est pas si simple. Il est armé. Attends. Attention. Attends, attends. Tire. Vas-y. J'y suis presque. Bonsoir. Les mains en l'air. Mais vous devriez pas être au lit à cette heure. C'est moi qui pose les questions. Dis-nous ce que tu sais du Texas Ranger caché dans la bouteille de whisky. Quel Ranger? Quel whisky? Tu ne sais pas à qui tu as affaire, j'ai l'impression. Je te présente Bob le Ricky... Bob le Kid, le plus fin tireur de toute la ville. Vas-y, Kid. Ok, ok, easy. Je bosse pour Jim Parasite, le plus gros producteur de whisky du Texas. Illégal, bien sûr. Il a vendu quelques caisses à Boomerang et il veut que je les retrouve. Et pourquoi? Une petite minute. Tu as pris mon flingue? Oh oh. J'ai pas eu le temps de le charger. Kid. Stop ou je tire! Stop! C'est toi qui as frappé. Viens rentre, dépêche-toi. Bonne nuit, Bill. D'après ce que nous a dit Bill Buster, les bouteilles viennent d'un fabricant de whisky au Texas, un certain Jim Parasite. Jim Parasite! Où ça? Où ça? Allons doucement, du calme, vous n'avez rien à craindre. Bonjour, monsieur. Enchanté. Je suis Bobette et lui, c'est Bob. Que vous est-il arrivé? C'est... Je suis le Ranger Tom. Oui, des Texas Rangers. J'ai été rétréci par Jim Parasite. Oh Il faut savoir qu'avec sa bande, ce parasite terrorise toute la région de Dark City. Le shérif ne savait plus quoi faire, alors on nous a envoyés, moi et mes gars, en renfort. Nous l'avions presque capturé, pourtant. Mais Parasite s'est procuré une poudre indienne magique. Et il nous a rétrécis, nous, les Texas Rangers. Mais j'ai réussi à m'échapper. Parasite est en train de préparer un plan diabolique. Il faut absolument que j'y aille. Vous n'y pensez pas. Ce n'est pas... pour les petits. Pour l'instant, nous devons au plus vite trouver un antidote. Sinon, vous allez rétrécir encore plus, voyez-vous. Il faut à tout prix que vous arrêtiez ce parasite, s'il vous plaît. Tante? Donc, partir au Texas. Oui. Ce n'est pas si simple. Et pas sans risque. Faut voir. Une telle expédition nécessite, disons, un vrai leader. Évidemment. Le leadership, c'est un peu comme le flair, en quelque sorte. On l'a ou on ne l'a pas, c'est tout. Faire le choix d'un bon leader est donc primordial, d'autant plus... Dit Lambic. Bien, ok, j'accepte, merci pour ta confiance, Bob. Je suis donc votre chef, et en tant que chef, je dis que... On voulait faire quoi encore? Yes, à nous le Texas. Ouais. Allô, boss? Je pense les avoir retrouvés, mais il y a un tout petit problème. Comment? Élimine-moi ce ranger et ce professeur. Immédiatement, tu m'entends? Personne ne m'arrêtera. Personne ne m'empêchera de devenir le plus grand. Le plus grand! Le plus grand de tous! Take me to that country where the eagles fly high, where the wolves howl their love songs at the moon. Take me where rocks are colored red, and my Texas girlfriend's name is Ginger Red. Let's go to that land of milk and honey.
time is on my side. Oh, let's go to the land of milk and honey. Oh, let's go to the land of milk and honey. Please take me where the foxes, the wolves and the bees live together in harmony. Quelqu'un sait à quoi ressemble le bureau des Rangers? J'espère qu'ils ont un sèche-cheveux. Et un frigo. Jérôme, très fin. Tu as encore faim? Jérôme, toujours avoir très faim. Regardez, là, on y est. Ouais, on y est. J'ai retrouvé dans un très vieux grimoire la formule de la poudre à rétrécir. Elle est faite à base de tiges de mince petit, une plante très rare, qu'on ne trouve qu'en Amérique du Nord. J'ai réussi à isoler l'ADN de la plante responsable du rétrécissement. Prêt? Ok. Ah, pourquoi ça ne marche pas? J'étais pourtant absolument certain. Oh, ce n'est pas si grave, vous savez, vous allez trouver la solution. One, two, one, two. Test, test, test. Ça te va plutôt bien? Ouais, c'est d'enfer. Oh, Lambic, tu es vraiment très séduisant. On dit toujours, l'amour rend aveugle. Viens, Bob, on va visiter le coin. Ouais. Jérôme et moi, on va aller voir le shérif. Il nous dira peut-être. Lambic, attention! En voilà des manières pour un cheval. C'est Betty, cheval des Rangers. Ah, oui. C'est peut-être celui du Ranger Tom. Oh, regarde le malheureux, il a l'air triste, pas vrai? Oh, ma pauvre petite, ton maître est un petit peu malade. Mais pleure pas, le professeur va vite le remettre sur pied et il va revenir très vite, tu verras. Oh, 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 oh. Mes nouvelles copines vont bien ensemble. Petit cheval, Pic, Anne. Salut. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ça, alors? Eh ben, dis donc. On va voir là? Bonjour, monsieur. Bienvenue, chers clients. Quels que soient vos achats, vous êtes ici au bon endroit puisque vous êtes chez Boomerang Store, le roi des soldes et du pas cher. Théophile? Non, 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 Théodore, serviteur. Théophile est mon cousin de Belgique. Il me rend visite de temps en temps. Un excellent vendeur. Vous le connaissez? Et comment? Et alors, que puis-je pour votre service? Hein? Nous sommes à la recherche des Rangers disparus. Hein? Voyons voir. Des Rangers disparus. Je crois que j'ai justement vendu tout le stock. Mais je peux vous en commander. N'ayez pas peur, on est là pour vous aider. Pourquoi les Rangers ont disparu? Et ce Jim parasite, c'est qui? Coucou! Coucou! Oh,
là 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 là, il est déjà si tard. Au ferme. C'était un réel plaisir. Bye bye, à bientôt. Mais... Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas. Oups. Oui, bonjour. Hi. Nous sommes les nouveaux Texas Rangers. Hein? Nouveaux? Mais pourquoi des nouveaux? Il y a un souci avec les autres, hein? Eh bien, ils ont été rétrécis et enfermés dans des bouteilles de whisky. Voyons n'importe quoi. Enfermés dans des bouteilles? Les Rangers sont partis parce qu'ils s'ennuyaient dans cette ville. C'est beaucoup trop calme ici. Ah oui? Vraiment? Oui. En fait, Dark City est une ville ennuyeuse. Ennuyeuse à en mourir. Et ce Jim Parasite, qui terrorise la région? Oh, ça! Simple légende cow-boy, rien de plus. Shérif, donc, pas besoin de nous. On va dire que j'ai les choses bien en main. Hein? Hein? Et ça, petite sauterie sans doute. Vous avez vu ça? Quelqu'un doit dire à ces types qu'ils ont passé l'âge de jouer au cow-boy. Non, mais on y va. Sont cow-boys. Sont pas des Indiens. Nous avons la visite de Berton Longpied, de Joli Thorax, de Boula Zéro et de Nicolas Pimprenel. Vous savez que vous êtes en avance pour le carnaval. Nous sommes ici pour établir l'ordre. J'ai peur. Prouve-nous d'abord que t'es capable de jouer correctement les Texas Rangers, jeune homme. Le duel! Le duel! Le duel! Le duel! Le duel! Hola! Même pas peur, quand tu veux. Pardon si je dérange. Pour un duel, il vous faut un adversaire qui a l'étoffe d'un vrai héros. Moi, c'est Lambic, avec un cul, comme... cool. Cool, c'est avec un C. Héros mérite plutôt coup de pied dans le cul. Un serpent à sonnette, bien vivant, à la morsure mortelle. Nous allons nous asseoir tous les deux. Une main sur la table, on va libérer le serpent. Et le premier des deux qui retire sa main est un loser. Manuel! C'est vraiment utile? Pourquoi pas... une partie de fléchette... Non? Eh bien, allons-y dans ce cas. Signor,
Una quoi, Singas? Una quoi, quoi? C'est la maison qui offre. C'est peut-être le dernier. Je t'en prie, Lambic, sois prudent. Fais attention. En cas de danger, Jérôme mange le serpent. Ils ont truqué le duel. Ton verre a été enduit d'un produit qui attire les serpents à sonnette. Celui qui ose s'en prendre à l'ambic aura affaire à moi, c'est compris? Et à moi. Et à moi. Oh. Et l'ambic. Oui. La guerre saloon, pas pour Miss. Jérôme, mettre à l'abri. Bien servi, manquez de rien. Mais quel gentleman. Oh. Désolé, une urgence. Oh. Oh. Votre ami a l'air vigoureux. Et pas un peu. Très fort, vrai brut. Mais en finesse. Hasta la vista, mon gamin. Gracias. J'ai repensé la formule entièrement. Ah oui? Cette fois-ci, c'est sûr, ça va marcher. Si vous le dites. Rien qu'une petite goutte. Tiens, ça alors, il n'a pas grandi. Vous avez dû faire un faux mouvement. Qui ça, moi? Mais je finirai bien par trouver. Vous pouvez compter sur moi, du CJ consacré le restant de mes jours. Quoi? Nous ne sommes absolument nulle part pour l'instant. Ils prétendent tous ne pas connaître ce Jim parasite. Moi, je suis sûre qu'ils savent quelque chose seulement. Ils n'osent rien dire. Après la bagarre d'hier. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Je vous dérange? Oh, non, non, faites comme chez vous. Nous parlions justement de la situation à Dark City. Peut-être vous pourriez nous aider, mademoiselle. C'est Miss Missy. Grande chanteuse. Oui, Miss Missy, nous vous présentons nos excuses les plus plates, hein, puisque Jérôme a eu la mauvaise idée de détruire le saloon et que vous êtes du coup malheureusement au chômage. Oh, c'est pas un souci, le business de la musique n'est plus ce qu'il était avec tous ces téléchargements. Bon, alors, revenons peut-être à Dark City. Vous pourriez peut-être nous dire pourquoi c'est l'omerta, pourquoi ce silence chaque fois qu'on évoque ce Jim parasite, hein? Qui ça? Moi? Mais comment pouvais-je le savoir? Vous êtes une barmaid. Dans ce genre de saloon, vous devez certainement apprendre beaucoup de choses, non? C'est des conversations d'ivrogne. Et quand ils s'intéressent à moi, c'est toujours pour la même chose. Oh, oui, je connais ça. Non, ça, je crois pas, non. Non, Tante, calme-toi. Bien, je croyais pouvoir me rendre utile, mais je vais retourner à mon hôtel. Oh, je sais que je vous escorterai volontiers, Miss Missy, jusqu'à votre hôtel. Jérôme, escortez Missy. Jérôme, je crois que Missy préférait l'élégance des hommes du monde. Oui, je crois aussi. Missy, rien à faire d'un gros crapaud prétentieux, ok? Moi, au moins, je ne ressemble pas à Shrek en plus vilain et toc. Non. Big, encore plus vilain que l'âne. Miss Missy a qu'à choisir toute seule. Eh bien, on va voir qui elle va choisir. Ah, on se demande bien ce qu'ils ont à la place du cerveau. Merci, Bob, de m'avoir accompagné jusqu'à ma chambre. C'est très gentil. Ça va aller, oui? Je pense que Tante a raison. Cette Missy est certainement une complice de parasites. Ah oui? Tu penses vraiment?
Elle a pourtant de si beaux yeux. T'entends ça, les hommes? Si tu la soupçonnes, que penser du shérif? Quel drôle d'animal, celui-là. Il reste planqué jour et nuit dans son bureau et ne met jamais un pied dehors. C'est normal, avec un plâtre à la jambe. Dis, tu crois que ce cher Théodore Boomerang est lui aussi un complice de parasites? Il a dû lui fournir des tas d'aspirateurs, une armée. Oui, une grande armée pas chère et très bon marché. Oh. Dis, tu sens pas là comme une présence? Dernier avertissement. Je vous ordonne de quitter Dark City aujourd'hui. J.P. Jim Parasite, c'était Parasite. Les enfants! Tante. Les enfants! Tout va bien, vous n'avez rien! Que personne ne bouge! Les mains en l'air! C'était Parasite! Il veut qu'on quitte cette ville au plus tôt! Vraiment? Je crois. Enfin, si nous ne sommes pas les bienvenus, nous devrions, je crois, peut-être. Dis, nous n'allons pas nous laisser impressionner, hein, tante? Non! Il faut montrer à ces bandits que nous n'avons pas peur! Ouais. Mais il faut rester prudent, mes enfants. Jérôme, Lambic, vous allez passer la ville au peigne fin. Oh, peigne fin. C'est évidemment ce que je voulais dire. Montrons-leur que nous avons cette ville entièrement sous contrôle. Je crois que c'est peut-être mieux qu'on se sépare, non? Très bon plan. Jérôme va peigner côté gauche de la ville. Ok. Bon. Et moi, je prends la droite. Bic, choisis. Tante, nous allons chez le shérif. Lui dire que Jim Parasite est en ville. D'accord. Oui. Mais faites attention à vous, les enfants. Gilberti? Qui? Qui? Saint-Nicolas, sans doute. Elle est bonne. Parasite, bien entendu. Comment saviez-vous que c'était lui? Parce que c'est toujours lui. C'est ça, le genre de shérif que vous êtes? Vous savez que c'est lui et vous ne faites rien. Dis donc, fillette, j'ai une jambe dans le plâtre. Comment veux-tu que j'agisse alors? Dis-le moi. Et de toute façon... À quoi bon? Même si je n'avais pas ce plâtre, je pourrais rien faire. Personne ne peut rien faire contre Parasite. Il est bien trop fort et dangereux. Mes enfants, croyez-moi, quittez cette ville avant qu'il ne vous arrive un malheur. Je vous en conjure. Qu'est-ce que tu fais ici? Ratisser la ville. Ah oui, oui, mais j'ai déjà ratissé cette partie de la ville. Si tu allais ratisser un peu plus loin... Toujours mieux si ratisser la ville deux fois. C'est vous? C'est comme ça que vous ratissez la ville? C'est-à-dire que je suis allé tout spécialement acheter des fleurs. Allez, venez, chenapan. Je me méfie de cette Miss Madame de la peste noire et j'ai trouvé quelque chose. Moi aussi. Pas ça, triple andouille. Pas ça. Que faites-vous ici? Apporter bouquet de fleurs. Oui, moi aussi. Et moi, je voudrais vous poser quelques questions. Où étiez-vous cette dernière demi-heure? J'étais dans mon bain. C'est interdit. Et maintenant, sortez de ma chambre tout de suite. Ils sont déjà partis. Bon. Amis,
sans gêne. Missy, toute trempée. Jérôme peut frictionner le dos. Voilà, entendu. Missy veut le calme. Eh bien, quel comédien! Encore un peu et on le plaindrait, ce trouillard! Oui, c'est bizarre d'ailleurs. Pourquoi est-il shérif? On se le demande bien, il n'a pas la moindre idée de qui est réellement ce Jim parasite. Selon moi, il s'agit de quelqu'un de cette ville. Sinon, pourquoi porter un masque? Oui, là, on tient quelque chose. Alors, qui, dans cette ville, ressemble le plus à Jim parasite? Bonjour, mes jeunes amis! Mon petit doigt me dit que vous avez besoin de nouveaux chapeaux. Comment vous savez ça? Ah, parce que les vôtres sont de vrais passoires. Oh. Allez, venez. Ah, joli modèle, non? Le chapeau fait le cow-boy, comme je dis toujours. Et bon marché et pas cher. T'en penses quoi? Rien, c'est juste un chapeau. En fait, on avait une petite question. L'entretien des chapeaux, il n'y a rien de plus simple. Avec cet aspirateur multifonction muni d'un embout spécial chapeau, vous voyez? Ça, on veut ça. Mais... Ah, décidément, c'est trop facile. Je voudrais prendre quelques bouteilles de votre whisky. Avec grand soleil, un excellent whisky fait maison et parfaitement tourbé. Donnez-moi 10 caisses. Moi... 10. C'est pour ce soir. C'est une surprise. C'est pour l'anniversaire de Lambic. Mais t'es devenu fou, c'est pas du tout l'anniversaire de... Et 10 caisses de whisky. 10. Le temps de passer chez chez le grossiste. Revenez dans une heure. Bye bye. D'accord. Salut. 10 caisses. Dis, depuis quand tu bois du whisky? Chut. Attends. T'as pas remarqué? Ce sont les mêmes caisses de whisky que celles de chez Lambic. Ah bon? Tu comprends du coup pourquoi j'en ai demandé plus qu'il y en avait dans le magasin? Pour qu'ils doivent aller en chercher d'autres. Et à ton avis, où se trouve le stock? Chez Parasite. Oui, c'est ça. C'est évident. Oui, ça va. Ok, pas besoin d'en rajouter. Et 10 caisses. Bien, c'est vous. J'ai eu peur. Boss. Quoi? Il y a un problème. Au moins une chose est sûre. Théodore n'est pas Jim Parasite. Chut, écoutons ce que Parasite va dire. Bobette? Mais tais-toi. Bobette. Quoi? Voilà. J'espère que tu as une excellente raison de mettre les pieds ici. Oh maman, je viens simplement acheter du whisky, tout plein de whisky. Oui vraiment, une super grosse affaire. Andale, arriva. Waouh, c'est un nouveau pistolet? Si, nuevo. Super. Et, t'es content de cette arme? Si, si, contento. Il te va drôlement bien. Tu permets? Non. Tiens. Oh, para mí. À condition que... Ok. Oh, para mí. Olé. Oh.
Non, 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 non. Oh, stupido, 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 stupido. Et qui est le soifard qui t'a fait te précipiter ici, où il est interdit de venir? Eh bien, tu ne vas pas le croire, mais c'est les Rangers. Les Rangers! Esprit d'imbécile! Tu as conduit les Rangers jusqu'ici! Ah! Je vais te pulvériser. Tu finiras en miettes dans un aspirateur. Ah, eh bien, justement, pour toi, il m'en reste un modèle en stock. Fais tes prières. Chose à faire. Au secours!
c'est Jérôme. Jérôme, mon héros. Tout juste, merci, Jérôme. C'est bon. Sinon, Jérôme, encore rougir. Je l'ai bien en main. Ah, ils veulent la guerre. Ils vont la voir. Allez là! Vous n'avez pas honte de faire des affaires avec ce bandit parasite? Mais non, je ne suis qu'un pauvre petit commerçant qui doit bien gagner sa croûte. C'est ça, et les temps sont durs, et un client est un client. Exactement, c'est comme vous dites. Carabistouille! Vous saviez que Parasite est un méchant bandit et vous n'avez rien fait pour aider les pauvres Rangers. Il faut qu'on retourne à la mine. Je suis sûr que c'est là que les Rangers sont retenus prisonniers. Parasite y est depuis des plombes, il se planque sûrement dans une des galeries souterraines. Bah alors, on va le chercher? Oh là là, et il n'y a pas de plan, vous savez. 20 km de galerie, de recoins, de trous profonds et de... Allô, j'écoute. Monsieur Lambic avec un Q. Ici Jim Parasite. Jim Parasite, ça alors quel bon vent vous amène. On parlait justement de vous. Vous allez bien? La petite famille aussi? C'est Jim Parasite. Les mains en l'air et ne faites plus un geste. Imbécile! Je vais parler au boss. J'ai une proposition. Le boss? Oh, c'est mon mec, moi. Oui. Quoi? Oui, quoi? Allez, sans blague. À quelle heure? Top. Oui, oui, j'y serai. Ça roule. Allez, Jim, hein. À plus, hein. Voilà, l'affaire est dans le sac. Quelle affaire? Quel sac? Finalement, c'est JP et moi, bête qu'on pense. Hein. Il a bien compris qui est le vrai chef ici. Retenez-moi, je sens que je vais lui régler son compte au vrai chef. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? JP m'a demandé de le combattre en duel, pour régler cette affaire une fois pour toutes. Et bien évidemment, j'ai accepté. Mais tu es devenu complètement fou. Mais pourquoi? Je fiche une patte à ce petit prétentieux et voilà, affaire réglée. Lambic, Parasite est un vrai tireur d'élite. Et moi alors? Tu vois le chapeau de Jérôme qui est accroché là-bas? Ouais. Oh. Bon, tu vas pas nous dire qu'il a bougé? Non, non, je ne dis pas ça, mais j'ai vu à temps que c'était mon chapeau. Strike!
de folle. Pas bouger, promis? Pas bouger, promis. Oh, chambre de missile. Jérôme? Il était pas avec toi? Jérôme? Non, j'ai pas vu. Où est passé Parasite? Cette lavette! Allez, viens! Mettons d'abord tous ces bons à rien sur les verrous. Ça donnera un peu de boulot au shérif, ce feignant! Oh, shérif! Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où je m'apprêtais à aller assister au duel, je veux dire, à m'y rendre pour donner un coup de main, enfin... Jim Parasite est arrivé... Et m'a jeté en cellule. Bonne nouvelle! Nous avons arrêté toute la bande de parasites. C'est super, non? Toute la bande? Sérieux? Enfin, on n'a pas encore parasites, mais c'est une question de secondes. En attendant, on vous confie les autres. Si vous pouviez avoir la gentillesse de les garder le temps qu'on termine votre boulot, ce serait formidable. Oui, oui, absolument. C'est juré, vous pouvez compter sur moi. Je suis votre homme. Bon. Je compte sur toi pour ouvrir l'œil. Et le bon, compris? Zut, nous ne savons toujours pas qui se cache derrière Jim Parasite. Ce n'est pas le shérif, ce n'est pas Théodore. Oui, et ce n'est pas moi non plus, sinon je me serais mis les menottes depuis longtemps. J'ai bien peur d'avoir des mauvaises nouvelles. Votre ami Jérôme est entre les mains de Jim Parasite. Quittez Dark City avant la tombée de la nuit, sinon vous ne reverrez jamais votre ami Jérôme. Jim Parasite! Impossible! Vous imaginez Parasite capturer notre Jérôme? Jamais! J'ai bien peur que si. Oh non! C'est ce Jesse James de Carnaval, tout ça! Ça, je veux de Jérôme! Et quoi? Nous n'allons pas partir? C'est impossible! Je sais que c'est dur, mais vous ne pouvez pas jouer avec la vie de votre ami. J'ai du mal à l'admettre, mais Missy n'a pas tort. Mais enfin, Tantine! Il n'y a pas d'autre solution. C'est pas possible. Nous devons obéir à Parasite. Non, vous êtes sérieux, ce n'est pas vrai! Vous voir partir, mes très chers jeunes clients, et pour moi... Ah, un véritable déchirement. Théodore, écoute, tu peux nous aider si tu veux. Ah oui? Bien. Bon, alors, bon voyage. Je vous envoie Jérôme dès que j'ai capturé Parasite. C'est gentil à vous, mais voilà rassurer. Je suis vraiment désolée pour ce qui vous arrive, mais je vous promets de tout faire pour retrouver votre ami. Petit, 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 on dirait que Monsieur Muscle fait moins fier. Rire à moins quand t'as mis venir. Des amis? Où ça? Mais tu n'as plus d'amis imbéciles. Bobby Bobette t'ont abandonné. Mensonge, laisseront jamais tomber Jérôme. Ah non,
Regarde bien, ce soir c'est le jeu de la vérité. Vive l'amitié! Oh, comme c'est triste, ce sont toujours les meilleurs qui s'en vont les premiers. Je peux pas croire, pas possible. Imbécile! Graveur! Les amis, c'est toujours comme ça. Moi aussi, quand j'étais petit, je pensais avoir des amis. Eh bien non! Ils m'ont humilié! Moi, j'ai juré que plus personne ne me diminuerait! Plus jamais! Et celui qui se mettrait en travers de ma route, je l'explose! Je suis le plus grand! Je suis un génie! Je suis le roi du monde! Ah! Roi cinglé. Oh là 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 là! Ah, Théo, mon ami, tu t'es encore fourré dans le sale drap. Quel idiot! Calme-toi, calme-toi, respire à fond. Notre Père qui êtes aux cieux, délivrez-nous des impôts, des taxes, de la TVA, des contrôles inopinés. Et tant que vous y êtes, délivrez-nous aussi de la concurrence. Professeur, sans vouloir vous commander, ce serait pas mal si ça réussissait ce coup-ci. Hein? Cette fois, je vais rajouter du flash extra. Flash extra? Mais c'est quoi ça encore? Flash Extra est une poudre à lessiver, mais pas n'importe quelle poudre. Hein? Elle a été développée par les laboratoires de la NASA pour que les combinaisons des astronautes restent parfaitement blanches sans rétrécir. J'ai concentré au maximum cette poudre anti-rétrécissement. Et en toute logique, elle devrait vous rendre la taille que vous aviez avant. Au minimum. La NASA, bah, je suis votre homme de toute façon. Vous êtes prêt? Non. Ouais! Oh! 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 Oui! Qu'est-ce que ça fait du bien de revenir parmi les hommes! Oh! Moi! Oui! Je ne saurais jamais comment vous remercier, professeur. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi, c'était un jeu d'enfant. Ok, les enfants, la voie est libre. Fantastique votre plan, les enfants. Si cet idiot pensait que nous allions abandonner Jérôme. Silence, passons à la phase. Achia! Oh là, le grand Casanova, tu ne crois pas que ce serait plus intelligent de la suivre et de voir où elle va? Hein? Ça va, ok. Professeur, venez, il faut partir, on y va! Allons, fainéant, tu as assez dormi, un peu d'action te fera le plus grand bien. Allez, viens. Oh, Parasite est venu délivrer sa bande. Je m'en serais douté, notre courageux shérif a certainement pris la fuite. Thank you.
étrange. Faut croire qu'elle s'est volée. Un passage secret. Bien joué, Lambic. Faut savoir se servir de sa tête. Regardez, ouais. C'est son ombre. Eh bien, suivons-la. Oh, halt. Je suis le chef et c'est moi qui décide. Et je dis, on la suit. Et action. Mes amis! Ah, qu'est-ce que vous faites ici? Ah, c'est vous qui osez poser la question! Les mains en l'air, traînez! Attends, c'est... Ah, j'ai toujours su que c'était vous! Vous avez de la chance que Jérôme soit entier! Ou... Sidonie! Sinon, vous auriez eu droit à la clé de votre vie! Sidonie! Quoi? Je vous tiens, minable. Hein? Bienvenue dans mon royaume. Parmi. Il est grand temps que je vous présente le cerveau qui a imaginé ce plan d'une intelligence hors du commun. Elle devient us. Non. Hein? Je le savais. C'est ça. Tu ne savais absolument rien. Sinon dit, comment pouvais-je être à la fois en duel et enfermé avec mon fauteuil roulant en cellule? Et prendre un bon coup de lambic. Très simple. Il y a un passage secret dans la cellule. Vous étiez tout à fait libre de vos mouvements. Et pendant que nous affrontions votre bande après le duel, vous avez remis votre plâtre et vous nous avez attendu bien tranquillement dans votre cellule. Bah ça alors. Génial. Pas vrai? Très bien, mon petit 10 sur 10. Mais hélas, trop tard. J'ai ici suffisamment de poudre pour vous rendre tout petit. Tout petit. Mais consolez-vous. Grâce à moi, vous serez au premier rang pour assister à la plus grande expérience de l'humanité. La plus géniale opération jamais tentée par l'homme. L'opération Lilliput. Dans un instant, cette fusée va s'élancer dans l'espace, armée de millions de pompes chargées de poudre à rétrécir, qui seront larguées sur l'ensemble des 5 continents. Tout le monde sur la Terre sera devenu tout petit. Et moi seul, je serai le plus grand. Oui, moi. Et ensuite, je n'aurai plus besoin que d'une seule chose. Et c'est... Un bon psychiatre? Non! La seule chose qui me manque encore, c'est... Non! Tout petit! Non! Flinguez-les! Derrière moi, mesdames, ça va faire mal! Alors, ça fait mal? Non. Oh, ouvrez la porte! Excusez-moi, Miss Lucy, mais vous faites quoi dans la vie? Agent de FBI en mission spéciale! J'en étais sûr, je l'avais deviné! Arrêtez-les! Comprimos,
Allez, Manuel, laisse pas abattre. Tiens. Non, merci. Non, tu peux le garder. Non, non, gracias. Non, mon vieux, c'est para ti. Non, para mi. Ah. Non, para ti. Non, para mi. Oh, oh. Wow. C'est pas vrai. Regarde. Il est là. Oh. Allez, viens, on y va. Oh mon Dieu! Les enfants! Ils sont là-dedans! Toi à moi. T'es sûr? Prête? Oui, go! Ah non! Dépêche-toi, Bob! Allez, mais tu veux un baiser? Je veux un baiser! Plus tard, baiser! Celui qui me donne le code reçoit un énorme bisou. Vite, il faut partir tout de suite, ça va exploser! Mais c'est Théophile. Théodore. Oh, Théodore, dis-nous ce qui s'est passé. Où sont Bob et Bobette? Je n'en sais rien. Ils sont tous partis voir à la mine et il y a eu une énorme explosion. Tobias. Professeur, nous devons les sauver. Venez. Tobias. Et grâce à vous, le Texas est sauvé. Au nom du gouverneur, je vous nomme officiellement Bob et Bobette. Hey. Texas Rangers à vie. Bobette, et toi, Bob. Merci encore pour cet excellent prix. Toutes mes félicitations. Merci, professeur. Sans vous, nous restions les lilliputiens à vie. Oh. De rien, mademoiselle. Même en miniature, je vous trouvais très charmante. Problème, Bic? Oh, c'est rien. Je pensais que ma Betty viendrait me dire au revoir. Faut croire que Big pas son genre d'homme. Attention. Hi, Missy. Ah, Missy. Salut, les garçons. Vous allez tous les deux me manquer. Me manquer aussi. Jérôme, question. Oui, c'est ça. Dites-nous sincèrement, lequel de nous deux fait battre votre cœur? Tom est mon fiancé. Nous allons bientôt nous marier. Eh oui, les gars.
Oh, mais c'est fantastique, oui. Excellente nouvelle, c'est vraiment merveilleux. Enfin, pour vous deux, merveilleux. Pas vrai, c'est pas merveilleux, hein, Jérôme? Oui, oui, ça va. Merveilleux. Youpi. Au revoir, et encore merci. Sidonie, tu n'as tout de même pas acheté un aspirateur à ce boomerang? C'est... Big se taire. Et dans la caisse, c'est quoi? Dans la caisse? C'est du sirop pour la toux. Hey, regardez qui est là! Oh, perdu.
riding on the train, that yellow rose. Riding on the train, we're riding on the train.